Salut tout le monde, c'est Franck. Et si il y a un an et demi, on m'avait dit que je ferais cette vidéo, je vous aurais très certainement rionné tellement j'ai cassé cet iPhone et j'en ai dit du mal et je ne voulais pas le voir. Et pourtant oui, j'ai acheté l'iPhone 10. Alors aujourd'hui, je vais pas m'attarder sur pourquoi j'en ai dit tant de mal dans le détail, mais plutôt pourquoi je l'ai acheté. Finalement, cet iPhone qui a maintenant une génération et demie de retard, pourquoi acheter l'iPhone 10 en 2019? Ben tout simplement parce que pour moi, vu ce que j'en attendais et vu mes besoins et vu les caractéristiques et tout ça, c'était le meilleur rapport qualité-prix que je pouvais trouver en 2019 pour un iPhone. Voilà pourquoi. Comme beaucoup de monde et sûrement beaucoup d'entre vous, mon premier critère c'était le budget. Donc du coup, à plus de 1100€, l'iPhone XS était rayé de la carte d'office. J'ai traîné un iPhone 7 pendant 2 ans et demi, donc évidemment je voulais avoir l'impression de changer d'iPhone. Donc en gros, mon choix s'est très vite limité entre l'iPhone 10 et l'iPhone XR. Et on va commencer évidemment par la première chose qui saute aux yeux, le design. Et là, il n'y avait juste pas photo, l'iPhone 10 fait premium. C'est du verre et de l'acier inoxydable, et quand on le tient en main, on a vraiment l'impression d'avoir quelque chose de... C'est bizarre à dire, mais quelque chose de cher, quelque chose de... qui a de la valeur, presque un bijou, parce qu'il est vraiment extrêmement beau, cet iPhone. Et cette sensation d'avoir quelque chose de premium vient aussi du fait qu'il soit plus gros, plus épais et du coup forcément plus lourd que mon iPhone 7 que j'avais avant. Ça se sent en main et on voit qu'il est plus large, on sent qu'il est plus large, on sent qu'il est plus grand. Mais en termes de taille, ça reste ce qui est parfait pour moi. Et c'est l'iPhone des 10 ans de l'iPhone. Ça fait un peu, quand on le sait, il n'y a aucune différence avec l'iPhone XS, mais quand on sait que c'est juste un 10, il y a un petit peu ce côté collector qui fait... Voilà, qui rajoute encore un petit peu au côté premium. Très très beau. Et évidemment, qui dit nouveau design, dit nouvelles habitudes à prendre avec un iPhone, puisque il y a Face ID, il y a l'encoche. Bref, je me suis dit, quitte à prendre un iPhone 10, n'aie pas d'a priori, mets-toi à fond dans les nouveautés, fais genre elles sont bien, habitue-toi dès le début, et on s'y habitue très vite. Direct, on s'habitue extrêmement vite à Face ID, si ce n'est que, comme je l'avais pensé au tout début, Face ID est plus lent que Touch ID. Du moins la première génération, c'est peut-être un petit compromis là-dessus. J'ai pas essayé le Face ID deuxième génération sur les iPhone XS et XR, qui soi-disant est plus rapide, mais oui, c'est une petite concession à faire sur la rapidité de Face ID quand on prend un iPhone 10 en 2019. C'est un petit peu plus lent. Pas beaucoup, ça prend quoi? Peut-être une demi-seconde, mais il y a ce petit moment où... Eh ben, il faut que le visage soit reconnu, et si on lève avant, on est un petit peu, on est une demi-seconde bloqué sur l'écran avec juste marqué Face ID. Et en plus de ça, il faut bien réussir le swipe du bas vers le haut, parce qu'on peut très très facilement, si on ne tient pas exactement bien en main, on peut vite juste remonter ses notifications sans débloquer le téléphone. Ça reste quand même une concession mineure quand on vient comme moi d'un iPhone 7 ou inférieur, puisque c'est quelque chose qui change vraiment. Perd un petit peu, mais de toute façon, on n'a pas d'autre alternative. Donc c'est une concession quand même mineure qu'on a à faire pour avoir un design meilleur et beaucoup plus actuel. Donc on prend, c'est comme les gestes de swiper du bas vers le haut. Pour tout vous dire, en moins d'une journée, quand j'ai repris mon iPhone 7 en main, je swipais sur mon iPhone 7 pour le déverrouiller, pour vous dire à quel point on s'y fait extrêmement vite quand même. Un tout petit truc, et là c'est très très subjectif parce que je sais que beaucoup de monde s'en contrefou, mais moi je l'utilise, c'est le 3D Touch sur l'iPhone 10 contrairement à l'iPhone XR. On a encore le 3D Touch, et moi je trouve ça quand même super pratique, je passe très vite là-dessus parce que ça concerne très peu de monde, mais on conserve quand même le 3D Touch. Par contre, une chose sur quoi c'était impossible de faire une concession, alors je sais que beaucoup de gens vont dire que ça ne se voit pas à l'utilisation, ça se voit, et même rien que de le savoir, c'est juste pas possible, l'écran. Le OLED sur l'iPhone 10, ça a été un des très gros facteurs déterminants aussi. On a des bords beaucoup moins épais, on a un écran beaucoup plus joli, une bien meilleure résolution, et surtout du coup, moi qui fais beaucoup de photos et de la vidéo, je peux voir et consommer mes vidéos, mes photos et même n'importe quoi, un jeu, un film, une série, dans les meilleures conditions. Dans ma tête, c'était pas possible d'aller voir mes vidéos YouTube ou mes séries Netflix sur un écran aussi bas en résolution que celui de l'iPhone XR, qui conviendra à beaucoup de gens qui n'en ont absolument rien à faire de la définition de leur écran, qui ne sauront même pas qu'il y a une différence. Un des points les plus importants, une des plus grosses différences entre les deux téléphones,
c'était la fameuse puce entre A11 Bionic pour l'iPhone X et A12 Bionic, la même que sur l'iPhone XS pour l'iPhone XR, qui va beaucoup plus vite, qui est une puce absolument incroyable, on n'a jamais vu ça dans un téléphone. Il y a un an avant, on disait exactement la même chose de la A11 Bionic, et clairement, le cycle de changement de téléphone, maintenant à peu près pour la majorité des gens, c'est entre 2 et 3 ans. iOS 12 a même apporté un coup de boost à des anciennes générations comme l'iPhone 6S et mon iPhone 7. Votre iPhone 10, il va être loin d'être obsolète. Vous avez encore largement 3-4 ans, je pense, avant que votre iPhone 10 soit obsolète. Vous l'aurez donc certainement changé d'ici là. L'iPhone 11 va très vite. Quelqu'un comme moi qui vient encore une fois d'un iPhone 7 ou pour quelqu'un qui vient d'un iPhone inférieur, il sera largement assez rapide. Les animations sont très très rapides, ça va beaucoup plus vite que sur l'iPhone 7 pour revenir à l'accueil, même pour faire défiler du texte quand on fait défiler son fil Twitter ou son fil Instagram. Ça va très très vite, il n'y a aucune raison d'avoir peur là-dessus que son iPhone ne tienne pas la distance, surtout pour quelqu'un qui poussera jamais son téléphone jusque dans ses retranchements, dans ses limites, à moins que vous jouiez énormément à des très gros jeux, que vous utilisiez des applications très très gourmandes en ressources. Aucun problème là-dessus. Dites-moi d'ailleurs si une vidéo comparative de vitesse justement et tout ça entre l'iPhone 7 et l'iPhone 10, ça vous intéresse, puisque je sais que la vidéo sur l'iPhone 5S contre l'iPhone 7 avait aidé beaucoup de gens et c'est une vidéo qui a beaucoup plu, qui a été beaucoup vue. Moi, si ça vous intéresse au cas où, en commentaire, où j'essaierai de faire un petit sondage, je sais, un des deux, par là. Un autre point essentiel, évidemment, dans mon changement d'iPhone, c'était, comme je vous l'ai dit, je fais beaucoup de photos et de vidéos, la caméra. Oui, j'ai opté pour le double capteur aussi de l'iPhone 10. Je sais que l'iPhone XR et certains téléphones, enfin un téléphone, coucou Google, domine le marché de l'appareil photo pour le Pixel avec un seul capteur et tout vient du software. Chez Apple, le software n'est pas aussi poussé que ça et rien que pour avoir le mode portrait sur tout et n'importe quoi, sur des objets et pas seulement pour des gens, je préfère largement avoir un double capteur et je préfère pour l'instant encore m'en remettre à la fiabilité matérielle plutôt que logicielle, ça viendra. Le Pixel 3 fait des photos absolument incroyables. Là où on perd un peu sur l'appareil photo, oui c'est vrai, c'est sur le HDR. L'iPhone XR et XS ont le Smart HDR que n'a pas l'iPhone 10. Bah, c'est encore une fois une petite concession à faire, mais pour quelqu'un comme moi qui vient d'un iPhone 7 et génération inférieure, de toute façon on y gagne, on peut que y gagner, et si je vous ai perdu au mot HDR, de toute façon vous n'avez pas de questions à vous poser, ça vous changera la vie. Alors pourquoi au final l'iPhone X en 2019, eh ben c'est pas une si mauvaise idée. Tout simplement parce que les différences avec un XS en termes de prix, c'est 250€, 255€. Et les différences en termes de matériel sont plus que minimes. La grande majorité des gens qui se poseraient la question entre les deux ne verraient pas la différence entre un iPhone X et un iPhone XS, et je pense que c'est une des grosses raisons pour lesquelles le 10 n'est plus au catalogue. J'ai payé mon iPhone 10 neuf à la Fnac 900€, l'iPhone 10R est je crois 45€ moins cher. Un iPhone 10 n'est pas encore prêt du tout d'être obsolète, il va être mis à jour encore pendant des années et vous aurez je pense largement le temps de le changer d'ici là. Et c'est le téléphone des 10 ans de l'iPhone, quand même. Petit côté collector quoi. Donc voilà les principales raisons pour lesquelles, oui, en 2019, j'ai opté pour un iPhone X. J'espère que la vidéo vous aura aidé si jamais vous vous posiez la question aussi de savoir est-ce que je prends un iPhone X maintenant, est-ce que ça vaut pas plus le coup de prendre un XR qui est un peu moins cher. Il y a toujours l'option iPhone X, donc j'espère que ça vous aura un petit peu aidé et éclairci sur des questions que vous vous posiez. Si tu n'es pas encore abonné, et je te propose de le faire avant de partir, si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à la liker aussi. Enfin bref, tout ce qu'on vous demande toujours à la fin d'une vidéo. Je sais que c'est toujours un peu pénible à entendre à chaque fois qu'on fait une vidéo, mais je vous jure, ça nous aide et ça nous encourage. Donc voilà, bref, vous avez compris. Et du coup, ben moi je vous dis à la prochaine. Salut !